Bonjour les amis, il me tardait trop de faire cette vidéo parce que je vais ouvrir enfin ma nouvelle toile. Voilà, donc c'est une toile que j'ai achetée à Action et elle fait 40 sur 60, donc elle est énorme et j'adore les couleurs, les motifs. Voilà, ça fait un peu mosaïque. Voilà, donc je vais ouvrir ça avec vous et je vais préparer la toile et je vais préparer les diamants que je vais mettre dans les petites boîtes. Allez, c'est parti! Du coup, je vais l'ouvrir avec vous. Je vais essayer de pas trop faire trembler la table parce que sinon il y a le téléphone qui bouge. Je filme au téléphone et ça bouge, c'est désagréable. Voilà, donc ça c'est vide. Elle est magnifique. Trop belle. J'adore. Il y a plein de couleurs. En fait, moi, en fait, c'est pas le rendu final qui m'a attirée dans cette toile. C'est surtout le fait qu'il y ait plein de motifs et plein de couleurs différentes. Je me suis dit que j'allais m'amuser à le faire. Voilà, c'est ça le principal, en fait. Plus que le résultat fini, c'était de s'amuser et de prendre du plaisir à la faire. D'accord, donc c'est de ce côté que ça s'ouvre. Alors là, je vais tester, je vais voir si ben, la place que ça me prend. 40 sur 60, je vais voir. Parce que là, je suis installée dans la table de ma cuisine. Je n'ai pas d'autre plan de travail, en fait, pour le faire. Donc là, je vais l'ouvrir et je vais voir la place qu'elle me prend. Et là, je suis au bout de la table, donc. Et c'est mon côté, c'est mon coin Diamond Painting, en fait, maintenant. Ah voilà, on a elle est énorme. Donc il y a ça enroulé dedans. Un, deux, trois, quatre. Je regarde les références. Voilà, elle est super jolie. Et du coup, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 24 références. Au niveau des diamants, il y en a 24. Donc, une boîte a fait 28. Il y a 28 compartiments. Dans une boîte comme ça, il y en a 28. Là, ma petite, elle m'en a sorti un pour jouer avec. Que j'ai dû laver parce qu'elle m'avait mis de l'eau dedans. Non, mais elle fait des expériences. Alors, du coup, voilà. Donc, ça fait 28. Et il y a 24 références au niveau des diamants, donc ça va rentrer. Voilà, donc ben ça en fait, j'en ai pas forcément besoin. Ah si, je peux découper. Ah si, je peux découper ça et la caler au-dessus de mes boîtes, dans le boîtier en fait. La caler dans le boîtier. Comme ça, je sais que les perles qu'il y a dans le boîtier, ça correspond à ce Diamond Painting. Donc, si, je vais le garder au cas où. Ensuite, du coup, on a toujours le petit kit. Donc là, il y a deux carrés de gomme, un stylet et une barquette. Voilà, les barquettes vertes classiques.
les perles. Les perles et les perles. Alors attendez, je vais le mettre à l'endroit. En fait, ça va. 40 sur 60, ça va. Ça va le faire. Hop, je la mets à l'endroit. Voilà. Ça va le faire. Non, ça va. Au niveau de la grandeur, franchement, ça va. Elle rentre sur ma table. Je ne touche pas les... Franchement, ça va le faire. Voilà. Donc, faut... Maintenant, là, je vais la laisser... Je vais la laisser plate. Comme ça, elle va arrêter de gondoler et elle va se mettre en forme. Elle va se mettre en place. Voilà, donc je vais la laisser plate. Comme ça. Et donc, nous avons les diamants. Alors, apparemment, il y a des diamants spéciaux dans cette toile. Et ils sont là. Donc, ça, c'est des diamants. Alors, je vais mettre de l'autre côté. C'est les diamants spéciaux. Voilà, donc ils sont beaucoup plus gros. Hein. Et c'est pour mettre au milieu, en fait. Au milieu, dans chaque carré, dans chaque losange, pardon, il y a un gros rond et c'est pour mettre cela. Elle va être magnifique, cette toile. Elle va vraiment être magnifique. Voilà, donc il y a des diamants spéciaux comme ça. Et ensuite, on a les perles. Ah non, mais elles sont trop jolies, les couleurs. Celles-là, j'adore. Elles sont belles. Et c'est très varié, quoi. C'est ça qui m'a plu, parce qu'il y a plein de couleurs différentes. C'est plutôt varié, à part que quand même, là, j'en ai une flopée. Waouh. Alors, ça, est-ce que c'est la même référence? Oui. Voilà, alors là, il y en a... J'ai... 1, 2, 3, 4, 5, 6 sachets des mêmes perles là. Là, il y en a beaucoup. 6 hein. Sachets des mêmes perles. Et après, c'est tout. Ben, c'est celle que j'ai le plus en fait. Et après, là aussi, j'en ai deux. J'ai deux blanches comme ça. C'est les mêmes références. Et j'ai deux, comme ça, un peu plus beige, hein, blanc cassé. Pareil, deux sachets de chaque. Sachant que dans les petites boîtes, je ne vais pas mettre toutes les perles. Je ne vais pas vider tous les sachets d'un coup. Je vais prendre que ce que j'ai besoin et les re-remplir au fur et à mesure. Donc, du coup, je vais préparer mes boîtes avec vous. Alors, je vais me munir de ciseaux parce que je n'ai pas prévu les ciseaux. Il va me falloir les ciseaux. Là. Les ciseaux. Alors, ça, les ciseaux. Un crayon à papier pour écrire les références sur... Enfin, les grosses. Sur les petites étiquettes que j'ai reçues avec les boîtes. Voilà, donc je vais noter les références au crayon papier. Comme ça, après, je pourrai gommer quand je ferai une autre toile. Je gommerai les références et en fait, je vais utiliser que du crayon papier sur ces gommettes en essayant de les utiliser au maximum, quoi. Voilà. Du coup, on va commencer ça. Alors, on va essayer de faire dans l'ordre parce que j'ai des chiffres.
J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En fait, je vais commencer par les chiffres. Donc, j'ai 8. J'ai des références où c'est des chiffres, donc de 1 à 8. Donc, je vais commencer comme ça, dans la boîte, comme ça sera en suite logique, quoi. Ça sera moins difficile à les trouver. Donc, je vais commencer comme ça. Je vais faire d'abord les 1. Alors, ils sont où les 1? Ah, ben les 1, c'est ceux où j'en ai plein, en fait. C'est ceux-là, les violets, là. Les violets foncés. Donc là, par contre, je vais prendre... je vais ouvrir qu'un sachet. Et les autres, je vais les mettre de côté. Parce que pour l'instant... Je ne vais pas utiliser tous les sachets d'un coup. Voilà. Donc ça, c'est les 1. Hop, on les met de côté. Alors, c'est la première fois que je le fais. Je ne suis pas très à l'aise. Du coup, organisation. C'est le bordel, ça y est. Ça y est, c'est le bordel. Je suis perdue. Alors, on va mettre ça de côté. Enfin, le mettre en haut. Et je vais récupérer ma boîte. Voilà. Du coup, je vais prendre un rack. Et du coup, on a dit 8. Il y en a 8. Alors, quand j'ouvre ma boîte, ça fait ça. Du coup, je vais les écrire dans le sens de la hauteur. Parce qu'elles sont rectangulaires. Elles ne sont pas carrées, les boîtes. Donc, je vais l'écrire dans le sens de la hauteur. Voilà. Je vais prendre l'étiquette dans la hauteur. Donc, je vais les numéroter de 1 à 8. Au crayon à papier. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Voilà, donc là, je viens de les numéroter. Je vais essayer de vous zoomer un peu plus. Voilà, comme ça vous voyez un peu plus parce que... Voilà, donc là j'ai numéroté les étiquettes. Ah oui, alors vous les voyez à l'envers. Vous voyez les chiffres à l'envers, bon c'est pas grave. De 1 à 8 et je vais les coller du coup sur les... Alors je regarde dans quel sens ça s'ouvre. Ça. On va faire comme ça. Voilà, du coup, je vais les caler comme ça. Et là, je viens coller mes petites étiquettes. Donc, je pense que le crayon à papier, c'est vraiment pas mal. Pour garder le plus longtemps. 2. Les étiquettes en fait pour pas gaspiller quoi. 3. Et puis si jamais j'ai d'autres diamond painting avec des chiffres, hein, j'aurais même pas à les changer quoi, il y a déjà les chiffres. 5. Sept, celui-là j'ai mis, trois et huit. Voilà. En plus le crayon à papier, on peut passer les doigts, ça bouge pas quoi. Du coup. Je vais commencer par faire cela. Je vais faire cela avec vous. Je ferai le reste après, sinon la vidéo va être super longue. Donc, je vais faire les chiffres de 1 à 8 déjà pour commencer. Sinon, ça va être super long la vidéo.
Je vais mettre du temps à le faire. Voilà. Du coup, on a dit les 1, je l'ai déjà coupé le sachet. Ah ben, il est là. Donc, je prends mon 1. Je vais prendre ma barquette à bec verseur. Et je vais voir, à mon avis, tout ne va pas rentrer là. Il y en a trop. Donc là, je l'ouvre entièrement. Par contre, ils sont pleins, les paquets. Le paquet, là, il est plein. Il est plein, plein, plein. Donc, j'utilise la barquette pour éviter d'en foutre partout. Parce que même avec la barquette, j'en mets partout. Donc j'imagine sans la barquette, le... Ah, mais j'en ai remis partout. Mais c'est pas vrai. Ouais, mais heureusement. Heureusement que j'utilise la barquette, quoi. Parce que je ne me dis pas, sinon j'en mettrais partout. Hop, voilà. Et les deux petits récalcitrants, là. Hein? Qu'est-ce que vous faisiez là dans la barquette? Voilà. Donc je pense que c'est bon. Et du coup, ben là, ouais, il faut que je remplisse encore. Faut que je remplisse encore. Par contre, je pense que tout le sachet là, ça va pas rentrer. Et en fait, les boîtes, elles sont petites. Hein. Ça va pas rentrer, hein, tout ça. Il y en a trop là de perles. On va essayer de le remplir au maximum. Après, comme il va en rester, je vais le mettre dans un sachet zip, avec la ref, pour ne pas perdre la référence. Voilà. Donc, en fait, ouais, je vais faire ça. Je vais garder. Attends, je récupère les perles que j'ai foutues partout. Voilà, le 1 il est fait. Et ça là, vu ben, qu'il m'en reste pas mal dedans, je vais prendre un sachet zip et je vais mettre le sachet entièrement dedans, dans le sachet zip, comme ça je garde bien la ref. Donc je vais voir si ça rentre dans le sachet zip. Normalement ça va le faire. Hein. Juste que j'attrape un sachet zip en fait, c'est tout. Hop, je les ai là. Voilà, je pense qu'il va rentrer. Je vais garder du coup les sachets zip à côté, hein, parce que à mon avis, je vais en avoir d'autres comme ça. Et je mettrai ben, tous les diamants restants dans une boîte, je pense, avec les sachets zip là, ou les sachets qui sont pas ouverts. Voilà, du coup, là, je vais rentrer ben, ça qui est ouvert là-dedans. Voilà, je vais le mettre entièrement dedans. Pas me prendre le chou. Comme ça, je garde bien la référence. Voilà. Donc, tous les sachets qui vont être ouverts et que je n'ai pas la place de le ranger, je vais les mettre comme ça. Et du coup, ben là, j'ai bien gardé la référence là. Voilà, c'est la référence là. Voilà, donc je vais faire comme ça. Et là, ben, j'ai ma petite boîte remplie de perles numéro 1. Voilà. Du coup, on va faire les deux. Alors, les deux, ben, je ne sais pas où elles sont les deux. À la recherche du 2. Ah oui, on va voir la couleur. C'est les grises foncées, on va dire. Ça, le gris foncé. Non, ça, c'est le 3. Ah oui, ça doit être celle-là. Deux. Alors, celle-là, elle va rentrer, c'est sûr. Ça va rentrer dans le... Il n'y en a qu'un. Donc, celui-là, c'est sûr, il rentre. Je vais pas en avoir un trop. Celui-là, il va rentrer, c'est sûr. Alors, deux. Du coup, je prends ma petite boîte.
Il y a un intrus. Il y a un intrus, c'est... Il y a une perle qui n'est pas... Alors ça arrive. Ça m'est arrivé aussi dans le dépêcha. J'avais des petites perles qui s'étaient perdues avec d'autres couleurs. Voilà. Donc celle-là, ben, c'est le... Ça m'est arrivé. Mais apparemment, chez Action, ça arrive souvent. Mais franchement, pour une perle, hein, on va pas leur en tenir rigueur. C'est pas grave. Hein. Donc ça, c'est le numéro 2. Il est super beau, ce gris. On montre la couleur. Très joli. Ça fait un peu gris... Gris anthracite, là, est magnifique. Ça fait bleu-gris, enfin, je sais pas. Il est très très joli, ce gris. Et allez, toujours les deux petits derniers. Hein. Les deux petits derniers qui veulent pas venir, quoi. Voilà. Deux. Alors les deux, ben, ça fait vraiment pas beaucoup. Hein. J'espère qu'il n'y en a pas beaucoup dans la toile. Parce que sinon... Je suis dans la caca. Hein. Du coup, les deux, c'est bon. Alors, je vais faire un petit tas par terre que je ramasserai après. Sinon, ça va être trop le bordel sur la table. Là, je ne vais rien y voir. Le 2. Le 3 ensuite. Alors, le 3, mais c'est le gris clair. Le 3, c'est le gris clair. Je l'ai vu. Je l'ai vu quelque part. C'est le dernier. Numéro 3. Le 3 aussi va rentrer. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà, le 3. Gris plus clair. Mais elle est super belle, cette toile. Je sens que je vais m'amuser à la faire. Voilà. Donc, comme c'est le 3 et qu'on va mettre dans le 3, ben, je ne garde pas la ref. Hein. Tout va rentrer là. Alors, vraiment, c'est barquette à bec verseur. Hein. C'est indispensable quand on veut remplir les boîtes. Voilà. Du coup, ben ouais, c'est la même quantité. Non, un peu plus, il y en a. Le 4. Le 4, c'est le corail. Le corail, oui. Ah, c'est celui-là. Rose corail, très joli. Très, très joli. Et celui-là va rentrer aussi, il y en a très peu. Il n'y en a pas beaucoup. Ah, il est magnifique ce rose. J'adore. Super beau. Voilà, les quatre premières boîtes sont pleines. Le 5, alors. Soyons organisés. Soyons organisés. Hop, on la range là parce qu'elle est finie. Le 5. Le rouge. Après, c'est un plaisir aussi hein, de préparer ces petites boîtes là. C'est sympa. Alors par contre, le rouge, il va pas du tout rentrer dans un petit carré. Ah, oh, ces chiens, ça n'arrête pas de sonner là. J'ai des notifications qui apparaissent. C'est vraiment chiant. Il va pas rentrer, donc c'est pareil, je vais le conserver dans un sachet zip. Donc je vais prendre un sachet zip pour le 5. Il est trop rempli, ça va pas rentrer.
Alors, si je tente de le verser directement, est-ce que ça va le faire? Oh, ou je peux le verser au-dessus, si ça tombe, c'est pas grave. Mais oui, ça marche. Bien le remplir, parce que, ben, il y en a. Voilà. Mais ça marche comme ça, en fait. Après, il faut le faire au-dessus de la barquette, comme ça, on voit s'il y a des trucs qui tombent. Le 5, c'est bon, du coup. Hop, et on va le mettre dans un sachet zip. Voilà, comme ça, il y a la ref. Ça, c'est bon. Le 6. Le 6, c'est le violet. C'est celui-là. Alors là, j'ai un doute. Je ne sais pas si ça va rentrer. Dans une barquette, j'ai un gros doute. Lilou! Alors, j'ai la chatte qui se fait des griffes sur le carton. Et à la fin, mais il n'y a plus de carton, quoi. Alors, le 6. On va verser au-dessus de la barquette pour pas faire, pour pas mettre partout. J'ai un doute, là. Je ne sais pas si ça va rentrer. Quoique, si, ça peut le faire. Oui! Ah, je suis trop contente, ça rentre. Ça rentre. Pile, mais ça rentre, c'est le principal. Oh, je suis trop contente, ça rentre. 6. Voilà, il est plein. Et le rouge aussi est plein. Voilà, ceux-là sont pleins. 6. Alors, 7. 7, c'est le jaune. Yes. Celui-là va rentrer, c'est sûr. Il y en a moins. En diagonale parce que plus de place. Il est joli ce jaune aussi, c'est un peu jaune pastel là, il est pas jaune pétard quoi, il est jaune blanc un peu, très joli. Voilà, donc c'est le 7 et le 8. Le dernier que je fais avec vous, c'est un orange. Alors les oranges, j'en ai, il y en a deux et ils sont pleins. Donc celui-là, pareil, va falloir que je le mette dans un sachet zip pour le conserver. Ça ne va pas tout rentrer là, c'est sûr. Là, c'est sûr. Donc je vais préparer le sachet zip. Voilà, petit sachet zip. Alors je ferme la boîte pour éviter de faire un accident. Et ça fait super beau ces petites boîtes, j'adore. Très joli. Voilà, donc là je vais finir de mettre les perles dans mes boîtiers. Et comme ça après, on pourra diviser la toile en plusieurs carrés avec du washi tape ou le rouleau, enfin style washi tape, là, le rouleau que j'ai reçu. Je pense que c'est fait pour. Donc je vais, je ne sais pas avec quoi je vais le faire encore. Je vais regarder. Je vais regarder les washi tape qui me restent. Je ne sais pas si je le fais au washi tape. Ben, ça sera plus joli au washi tape quand même.
Ça sera plus sympa, je pense, avec un washi tape décoré qu'un truc blanc. Bon, je vais réfléchir. De toute façon, j'ai encore du boulot là, hein. J'ai le temps de réfléchir. Donc là, voilà. Donc sur 8 boîtiers, voilà, je vais conserver celles-là encore qui sont ouvertes. Voilà. Je vais les conserver comme ça dans les petits sachets zip avec les refs pour re-remplir les boîtiers quand j'en ai besoin. Voilà. Et je vais finir du coup de mettre ça. Voilà, j'en ai pas mal encore. Il y a du taf. Ça. Oui, mais c'est 40 sur 60. Ça en fait des perles. Et cela, voilà. Donc, je vais mettre tout ça dans les boîtiers. Et je vous retrouve tout de suite. Allez, ça y est, j'ai fini de remplir ma boîte avec les perles. Alors ça, c'est le devant. Voilà, donc j'ai mis la photo du DP qui était à l'intérieur du carton. Je l'ai découpé et je l'ai scotché à l'intérieur dans le couvercle. Voilà, donc là j'ai mis un trait de scotch, voilà, de chaque côté. Elle rentrait pile dans le couvercle, du coup, ben voilà. Ça fait super joli. Puis voilà, on sait que c'est les perles de ce DP. Là, donc j'ai mis toutes les références. Les références, alors, elles vont de 1 à 8. Et après, c'est des lettres. Voilà, parce que avec les boîtes, ils vendent des autocollants numérotés. Mais en fait, il n'y a pas que des chiffres là. Donc j'ai fait avec les autocollants vierges. Et donc il y a des lettres et après oui, il y a des lettres et des chiffres en fait, voilà. Et j'avais un rack de boîtes en plus. Du coup, j'ai mis les perles que j'avais le plus. J'en ai rajouté là, voilà, les perles que j'avais le plus au niveau des sachets. J'en ai rajouté là, ça m'évitera de les ouvrir plus tôt. Voilà, donc ça fait ça. C'est super beau. Voilà, avec la petite... Et du coup, hop, voilà. Ça fait ça. C'est de pas faire bouger la table. C'est super sympa. Voilà. Donc, ça, c'est prêt. Et en fait, maintenant, ce qui me manque à faire pour pouvoir commencer ma toile, ce qui me manque, c'est diviser ma toile en plusieurs parties. Alors, ce sont des losanges. Ce sont des losanges. Et en fait, moi, ce que j'aimerais faire, c'est faire un carré par carré. C'est-à-dire, j'aimerais bien diviser la toile comme ça. En diagonale, en fait. Parce que si je fais ça, je vais me retrouver avec... attendez, je vous montre. Si je la divise droite, par exemple comme ça, je vais me retrouver avec des carrés en plus, là. Et ça va me faire galérer au niveau des couleurs. Donc vraiment, je voulais faire carré par carré. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais bien m'embêter, je pense. Mais... vraiment, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est carré par carré. Donc, j'ai pris le rouleau que j'avais dans le kit d'accessoires. Si je trouve... Parce que du coup, il irait pile. Il fait pile la largeur. Non, il ne fait pas pile la largeur, il est plus large. Mais c'est pas grave, parce que quand je découperai le carré, je découperai un peu sur ça. Donc, c'est pas gênant en fait. Donc, il faut que je trouve, il est là, je crois, le début, le départ. Oui, c'est ça.
On dirait du sparadrap. Ça a la même. C'est la même matière que du sparadrap en fait. Mais moi ça me va. Parce que là il va m'en falloir. Il y en a des carrés. Alors je mets comme ça. Voilà, là on la complète à peu près. Et je vais faire les diagonales en fait. C'est du sparadrap, ouais. Donc je vais faire les diagonales. En partant bien du bord blanc. Enfin, je dépasse le bord blanc parce que le film plastique, il est sur le bord blanc, quoi. Oh là là, j'ai dévié là. J'ai trop dévié. On va remettre un peu là. Voilà. Là, on est bien. Je pense que ce sparadrap là, c'est fait pour ça. Hein. Voilà, donc là, j'essaye de bien mettre la ligne. La ligne droite. Voilà. Et en fait, je vais faire toute ma toile comme ça. Parce que je vais travailler carré par carré. C'est vraiment comme ça que j'ai envie de la faire. J'ai vraiment envie de la faire comme ça. Voilà, donc je vous montre, voilà, je démarre bien sur le blanc. Le blanc de la toile. Parce qu'en fait, oui, le plastique, il dépasse. Et ça va m'aider donc du coup à découper le film plastique sur la toile. Parce qu'en fait, quand on découpe le film plastique, si on découpe que le film plastique, qu'on n'utilise pas ça, il a tendance à se déchirer, le film plastique, dans tous les sens. J'en ai fait l'expérience avec mon premier DP. Et c'est pour ça que je l'ai divisé en carré avec du washi tape. Parce que si on ne fait pas ça, quand on ne coupe que le plastique, plastique, après, il s'enlève pas droit, quoi. Il se déchire, il part en live, hein, et après, pour le retrouver sur la toile, c'est très compliqué. Là, j'ai dévié. Oh là 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 là. Après, c'est pas mal celui-là parce qu'il est transparent. Du coup, on voit où on le pose. Pas mal ce sparadrap là. On voit où on pose le truc.
Donc, je vais finir de tout quadriller et je vous montre après. Donc voilà, ça y est, j'ai fini de quadriller ma toile. Le rouleau, il a pris une claque. Il ne m'en reste vraiment pas beaucoup parce que je pense que ce n'est pas fait pour utiliser... Enfin, il n'y avait pas beaucoup de quantité, en fait, et ce n'est pas fait pour faire ça, quoi. Moi, j'ai fait beaucoup de carrés, là. Voilà. Mais c'est la toile qui... c'est la toile qui s'y prête, en fait. Parce que vraiment, tous ces petits carrés, ça donne envie de les séparer et de faire carré par carré. Voilà, donc ça fait ça. J'ai séparé tous les petits carrés. Et j'ai laissé quand même dans l'angle. Vous voyez? Là, j'ai pas mis de bande là parce que je me suis dit, ben, il y a tellement peu à faire. Je le ferai quand je ferai celui-là en même temps. Voilà. Donc j'ai laissé tous les angles, les quatre angles comme ça. Voilà, donc quand j'ouvrirai ça, ben, je ferai tout ça. Mais ça fait trop joli. Ça fait vraiment sympa et après du coup ça me permet de faire le carré que je veux, c'est à dire avec le cutter je vais ouvrir un carré que j'ai envie de faire. Voilà, donc celui que j'aurais envie de faire sur le moment. Et bah, ils sont tous trop beaux. Du coup, celui-là. Celui-là, il me dit bien. Celui-là. Voilà. Mais bon, après, on fait comme on veut. Donc voilà, c'est vraiment pour ouvrir un carré là, après un carré là, après un carré là. Là, on peut faire ce qu'on veut. Mais du coup, je vais en ouvrir un quand même pour vous montrer. On va faire celui-là puisque c'était c'est celui qui m'a fait le plus de l'œil. Alors on va faire celui-là. Voilà. Et alors vraiment cette toile elle est bien parce que vraiment tous les côtés là, il y a le film plastique qui déborde bien sur le côté et en fait on se colle, il n'y a pas de colle. On ne se colle pas les bras, les fringues. Voilà, il n'y a pas de colle, le papier transparent recouvre super bien la toile, donc c'est plutôt agréable. J'ai pas besoin de venir faire le tour avec du washi tape, quoi. Bon, je me lance. J'ai peur. Alors là, je vois le... On va essayer de garder... Je fais en fonction de ce que je veux. Là, peut-être. En plus, de toute façon, il faut découper sur... Le but, c'est de découper sur le sparadrap, donc j'ai pas trop le choix. Je dois découper de toute façon sur le sparadrap. Oh là 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 là, non mais là j'ai dévié. Là j'ai dévié complet quoi. Alors, on va essayer d'ouvrir. Est-ce qu'il y a le plastique? Oui, il y a le plastique, on va l'ouvrir. C'est magnifique. Voilà, et après du coup, hop. J'essaie de vous rapprocher. Au maximum. Voilà, donc là, je suis venue faire le tour avec le cutter sur le sparadrap. Voilà, et maintenant, là, j'ai chopé, j'ai mis le cutter dessous pour soulever le sparadrap. Et là, j'ai pris le carré. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, et là, je soulève.
Alors, si ça bloque, on repasse un petit coup. Il ne faut pas hésiter. Pour ne pas tout arracher non plus. Hein. Ce n'est pas le but. Voilà. Voilà, donc là j'ai ouvert le carré, on le voit super bien. Voilà. Donc si on veut, soit on l'enlève carrément. On l'enlève carrément parce que de toute façon je vais coller les perles. Et comme c'est des petits carrés, voilà, ça, je veux dire, on peut l'enlever si on compte faire le carré d'un coup, quoi. C'est des petits carrés, donc c'est très faisable. Voilà. Quitte à le repositionner par la suite. Voilà, je vais le laisser parce que je ne vais pas commencer de suite. Par contre, voilà, là, j'avais coupé deux fois le sparadrap. Hop, je l'enlève. Là, ça m'embêtait. Bon, ben voilà. Du coup, ben, je pense que je vais faire mon premier carré. Du coup, je vais l'enlever parce que vraiment, ça... J'ai envie de le faire maintenant. Voilà. Donc, je vais me faire un carré maintenant. Voilà. Donc, si on veut l'enlever, ben voilà. Hein, on l'a... Ça fait ça. Et là, ben... Voilà. Et la colle, elle colle super bien. Voilà. Et après, je le garde au cas où si jamais je ne peux pas aller trop sur les bords et qu'il me reste un peu de... qu'il y a un décalage et que je ne peux pas coller de perles. Je pourrais toujours le poser dessus au cas où sur le bord, si j'ai un bord qui tombe mal, quoi. Je pourrais le poser comme ça, voilà. Donc, je vais quand même garder le petit papier au cas où. Voilà, donc je vais m'éclater, quoi. Donc, j'espère que cette vidéo Diamond Painting vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.